Donc cette semaine, on est très heureux d'accueillir Muriel Joudet pour son livre « La seconde femme, ce que les actrices font à la vieillesse » qui est sorti il y a 15 septembre. Ça fonctionne. Et donc on va parler de cet ouvrage évidemment. Tu m'as proposé quelques extraits de films, donc on verra voilà, comment on arrive à intercaler ça. Évidemment, vous êtes là, donc j'imagine que vous avez peut-être des questions, donc n'hésitez pas, que je ne sois pas le seul à parler. Donc, Muriel, je te présente, si je retrouve évidemment, comme toujours, mes notes. Donc, tu es critique de cinéma, tu as écrit au Monde, dans Les Inrocks, à la critique sur France Culture, on a pu te voir, ou je ne sais pas si on te voit encore, dans Le Cercle, sur Canal+, encore, voilà, c'est ça. Et moi, je t'ai découvert aussi par les essais, par les livres qui étaient sortis chez Capricci, sur Isabelle Huppert, sur Gina Roland. Tu as co-signé un ouvrage, Alfred Hitchcock, La Totale, c'est ça? Oui, je ne me trompe pas jusqu'à maintenant. Et là, donc, voilà, on t'accueille pour La seconde femme. On va en parler dans quelques minutes. Mais moi, je voulais savoir, m'intéresser peut-être un peu plus à toi, à ton rapport au cinéma. La question rituelle que je pose à mes invités, c'est leur premier souvenir de cinéma ou d'image de cinéma ou de salle de cinéma. Si quelque chose te revient... Peut-être ça peut être... Déjà, merci de me recevoir. Merci oui. À tous d'être venus. Premier souvenir de cinéma, ça ne va pas être un truc très classe. Je crois que je sais que... Je me souviens des Disney... Space Jam. Space Jam, ah ouais, d'accord. Avec Bugs Bunny. Ouais. Et... d'accord. Les années 90, c'est un peu le... Ouais. Beaucoup de VHS. Oui. Menteur. Bon, ça c'est... Voilà. Il y avait un truc avec la VHS en boucle. Oui. Je me souviens La Petite Sirène. D'accord, non, mais voilà. Ne le dis pas. De... Mais après, voilà, j'ai des souvenirs marquants. Comme c'est les seuls souvenirs qui me restent, c'est les souvenirs marquants. Mais c'est vrai que je me rends compte que c'était les années 90, La vie est belle, mais de Roberto Benigni. Oui, pas La vie est belle de Capra. Je me souviens que ma mère devait... Voilà, mon frère était trop petit, qui est là, et voilà, il a dû rentrer chez lui, enfin, avec ma mère. Et voilà, donc c'est des souvenirs de, voilà, familiaux. Et après, peut-être dans les souvenirs marquants, qui m'ont marqué et qui m'ont donné envie d'être critique et qui m'ont amené sur un territoire assez hollywoodien. Bon, déjà, j'y baignais parce que quand on est une enfant des années 90, on est on a une enfance hollywoodienne. C'était peut-être les hommes préfèrent les blondes qui passaient sur Arte. Et voilà, il y avait du fuchsia, du rouge, des diamants. Et je captais pas trop ce qui se passait. Je me suis dit, oulala, faut bosser sur ça, quoi. Donc voilà, c'était un truc marquant. Donc voilà, beaucoup de télé, beaucoup de... Et comment tu construis un peu ta cinéphilie? Comment ça se passe? C'est au lycée, à la fac? Quel est un peu ton parcours là-dedans? Comment ça s'articule? Il y a eu beaucoup Arte. Il y a eu beaucoup aussi... ça a commencé lycéenne. Avec aussi... Alors, je suis vraiment horrifiée de le dire ici, mais aussi beaucoup de piratage. Parce que tout Godard, je l'ai découvert... voilà, c'était... En même temps, c'est... Voilà, ça... Il n'y avait pas d'autre moyen que ça. Ensuite, ça a été beaucoup les cinémas rue Champollion, que j'y allais tout le week-end. Puis ensuite, en août, je ne partais pas en vacances, je faisais que ça. Et pour moi, la cinéphilie, c'est... ma définition, c'est quand même un moment où on consacre une partie de sa vie, de sa jeunesse, à regarder énormément de films. Pour moi, c'est ça, la cinéphilie. Et on n'a pas beaucoup d'amis et on a envie de tout voir. Et moi, ça a été beaucoup ça, et ça passait du coup par tout ce qui pouvait me permettre de regarder des films. Donc, je regardais trois films, Rue Champollion ou Au Grand Action, et puis je rentrais chez moi et je regardais les trucs que j'avais téléchargés, et puis rebelote le week-end d'après, et puis ce qui passait à la télé. Donc, je prenais tout ce qui me permettait. Voilà, il y avait cette idée de tout voir sans aussi faire de. Pour l'instant, je regardais les films religieusement. Sans me poser la question de mon goût. Il fallait juste voir tout, Minelli, tout Fellini. Il y avait des grosses rétrospectives, je me souviens, au Christine 21. Enfin, il y en a encore un peu, mais... Donc, tout Mankiewicz, tout Billy Wilder. Et j'allais voir aussi des cinéastes qui ne m'intéressaient pas, mais j'étais trop
voilà, j'engrangeais religieusement. Et après est venu le moment de faire la, voilà, de me dire en fait ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé. Mais ça prend un temps fou en fait. Cette formation en fait prend un temps fou et on se rend même pas compte qu'on est en train de se former. Je sais pas trop ce qu'on recherche en fait comme quand on fait ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ennuis, ne pas trop savoir quoi faire de ces week-ends. Voilà, c'est très bizarre. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est exactement la même réflexion que... Bah, il le posait avec des mots différemment, mais que faisait Jean-Baptiste Thoret, qui disait que j'ai appris la vie au cinéma. C'est comme s'il avait appris ce qu'étaient les choses importantes de sa vie à travers les films, et lui, bon, à travers le cinéma américain en particulier. Mais il y a vraiment quelque chose d'une sorte d'éducation, je sais pas si c'est une éducation sentimentale, mais artistique, et de se trouver, et trouver, et donc affiner son goût. En matière de films, via les films, via certains réalisateurs, via peut-être certains comédiens ou comédiennes. Ouais, oui, puis ça crée, c'est apprendre à faire son livre. Est-ce que c'est Eustache qui dit ? Je ne sais plus. Le cinéma, c'est apprendre à faire son... Enfin, on voit tout, c'est tout. Ça va de la vie sentimentale à comment s'habiller, à comment se maquiller. Ça a été, je sais que je copiais un peu les looks de, des actrices de Romère. Enfin, il y avait un truc de... Vraiment, je recopiais tout ce que je voyais d'une manière ou d'une autre, surtout chez les actrices. Et du coup, comme on attend, c'est aussi une période, je ne sais pas, 17... entre 17 et 24 ans, on attend un peu que la vie commence et c'est le cinéma nous donne c'est une sorte de teaser quoi. Oui, un peu plus. Toujours un peu décevant le décalage, mais il y a un truc comme ça. Et après, qui crée aussi, je pense qu'il y a l'envers de la symphonie, c'est quand même aussi ça crée quand même un petit handicap, un petit truc ou forme d'asocialité, un truc un peu bizarre. Et heureusement, après, la critique vient, et là, on se fait une bande d'amis. Donc, moi, ça a été... Tu as commencé à écrire dans quel... C'était Chronicard. D'accord. J'ai commencé sur mon blog, et j'ai été repérée par Jérôme Momcilovic, qui a écrit aussi des livres sur Schwarzenegger. Il était déjà invité. Et qui m'a repérée, et qui m'a fait écrire. Et autour de Chronicard, s'est constituée une bande qui reste aujourd'hui mes meilleurs amis et ça a été ça pendant 5-6 ans de Cannes de plaisir à sortir le lance-flamme pour plein de films, c'était très très joyeux et en défendre d'autres, oui c'est ça, c'était l'art d'aimer mais aussi quand même l'art de démonter quoi. Et ça a été très formateur et c'est là qu'on l'amitié peut commencer et puis ensuite est venue la professionnalisation progressivement sur 10 ans où j'ai pu en vivre et arrêter le babysitting quoi. D'accord. Et qu'est-ce que dans ces années-là tu commences à identifier comme des réalisateurs qui te plaisent vraiment ou des comédiennes déjà qui te ce rapport aux comédiens et aux comédiennes qui te qui déjà t'attire ou attire ton œil ou t'intrigue. Oui, je pense qu'il y a... C'était vraiment très hollywoodien, mais je sais que j'adorais Minelli. Romère a été un truc très... un choc pour moi, à, je pense, 15-16 ans. Alors, on va te dire, quel Romère ? Les six contes Moreau. Oui. Ça a été vraiment un choc de me dire que ça existait, que tout soit beau dans le plan, que tout soit beau dans la vie d'une Française, qu'il y avait un truc de... vraiment de choc et puis et en même temps une mise en scène très classique pas visible sorte de d'harmonie absolue de tout quoi et ça j'ai vu tout très vite c'était beaucoup Billy Wilder, Minelli, je regardais Godard aussi. Je pense qu'on est tous passés par une phase Anna Karenina. Quelle période de Godard, là, pour le coup. C'est vrai que les douanelles, ça a été important. Et encore toujours dans cette idée que... Les douanelles, c'est Truffaut. Pardon, excusez-moi. Tu as dit Godard. Oui, parce que j'avais l'impression d'avoir dit aussi Truffaut. Non, c'était beaucoup Jean-Pierre Léo, à la fois chez Godard et chez Truffaut. D'accord. Et Anna Karenina, beaucoup, chez Godard. Et c'est vrai aussi les actrices chez Truffaut. Il y avait ce duo comme ça où quand on est cinéphile et qu'on a 16 ans, 17 ans, on sait qu'on doit en passer par un moment nouvelle vague. Mais qui met un peu de côté quand même Chabrol. Je pense qu'à cet âge-là, Chabrol, c'est pas...
à part le plus, oui voilà, c'est un plus adulte. Et mais on regarde beaucoup Truffaut, on regarde beaucoup Godard, et c'est vrai que ces deux cinéastes sont très liés à l'idée aussi qu'on se fait de la vie parisienne. Et donc c'est pas juste du cinéma, c'est aussi un mode de vie qui passe dans ces films-là, et qui est très très désirable. Et qu'on essaye de reproduire, enfin je sais pas si on essaye de reproduire, mais si on a vraiment envie de rentrer, de vivre dans ces films-là, et je de pense ressembler à ses héroïnes, ou de... voilà c'est ça, et donc ça passe beaucoup par l'identification, voilà, à Anna Karina, à certaines actrices. Je sais que Delphine Seyrig dans Domicile conjugal, non mais c'était Baiser volé, je pense. Madame Tabar. Ça m'avait beaucoup marqué, et ça passe toujours par l'envie d'être cette femme-là, d'être habillée comme elle, de beaucoup de gens avaient envie d'être Delphine Seyrig. Voilà, c'est ça. Et beaucoup d'hommes. Bref. Non, mais Seyrig est quand même un peu hypnotique, quand même. C'est assez ça. Unique, comme. Et comme donc ça passe par beaucoup de fascination. Et puis ensuite, il y a eu. Je pense que le vrai. Ouais, Bette Davis, ça a été un gros truc. Alors, aussi. Voilà. Bon, c'est une très bonne transition. Personnage quand même assez, un parcours totalement atypique, et vas-y, raconte-nous qui est Bette Davis, c'est parce que c'est un chapitre de ton ouvrage que tu mets à la fin, qu'on aurait presque vu au début et que tu choisis de mettre à la fin. Voilà, raconte-nous. Ah, Bette Davis, c'est une actrice du cinéma hollywoodien de son âge d'or, qui commence vraiment au début du parlant, enfin au début des années 30, qui va terminer sa carrière, je pense, dans les années presque 80, qui est une actrice qui était considérée, qui elle-même se considérait comme une actrice pas belle. Elle a, voilà, je pense que vous avez vu l'extrait passer, puis vous la connaissez, de petite tête de poupée maléfique, avec les yeux exorbités, un grand front, et qui est un peu sous-exploitée dans le studio dans lequel elle est, donc la Warner, et qui fait des films, et ces films-là, d'autres actrices auraient pu les faire. Et à un moment où elle part de la Warner. Enfin, il y a un procès avec la Warner. Parce que voilà, elle quitte. C'était des contrats à la Warner, donc comme dans tous les studios hollywoodiens, de 7 ans avec les acteurs. Et elle décide un jour de rompre son contrat sans prévenir personne. Il y a un procès. Et elle reproche au studio de ne pas lui donner des rôles assez intéressant, assez conséquent et à la hauteur de son talent, et elle perd le procès, mais derrière ça la Warner la reprend, et c'est là qu'on voit que elle va commencer à vraiment tenir être responsable des images qu'elle, enfin voilà, avoir le contrôle sur les images hollywoodienne, et jouer dans les films qu'elle veut, dans lesquels elle veut jouer, et choisir les scénarios, être un peu plus actrice au sens d'être dans l'action, et va autour d'elle se construire cette image de la peste, de la garce, de la femme maléfique, qui est plus du côté, qui est pas du tout érotisée, mais vraiment du côté des puissances du mal, vraiment définie négativement, et vraiment comme une sorte de sorcière, et de quelqu'un qui une promesse de malheur, vraiment, dans des films donc, qui s'appellent La Garce, La Vipère, je retrouve les titres, mais voilà. Et ensuite sur le vieillissement, oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est le cœur de ton ouvrage La Seconde Femme, c'est que c'est vraiment comment tu prends 8 portraits de comédiennes et tu essaies de définir comment en fait la femme à Hollywood ou dans le cinéma doit être une sorte d'objet de désir et regarder en général un regard qui est plutôt masculin, ou celui des studios qui est plutôt ça se résume à une femme qui doit être belle, une sorte de femme objet, et que aux abords de la quarantaine, se pose la question à toutes les comédiennes de savoir comment elles gèrent ce cap-là, et comment elles vont négocier avec ça. Et le cas de Bette Davis est intéressant parce qu'elle se catalogue, elle se met dans la catégorie des comédiennes qui sont pas belles,
comme d'autres comédiens. Et comment elle va anticiper ça en se vieillissant prématurément. Donc il y a là à la fois le côté, elle est du côté du mal et en même temps ce qu'elle va faire. En fait, le fait qu'elle ne soit pas considérée comme une femme, une actrice très belle ou en tout cas très glamour, va lui conférer beaucoup de liberté et elle va commencer à beaucoup, elle va jouer dans des rôles où elle va soit s'en les dire, soit se raser la moitié du crâne et les sourcils, soit jouer des femmes de 60 ans alors qu'elle en a 30, atteinte de diphtérie. Enfin, il va y avoir vraiment quelque chose, un jeu plastique autour de son visage qui va vraiment impulser, parce que quand on lit les biographies, on se rend compte qu'à chaque fois les réalisateurs lui disent non mais attends, là, calme-toi sur le maquillage ou l'enlaidissement, et elle va dans l'outrance, elle va dans le grand, elle va toujours dans l'outrance, dans le carnavalesque, comme une manière de conjurer sa propre vieillesse en la faisant intervenir très tôt dans sa vie. Mais donc en reprenant le contrôle de c'est sa, ça, de et sa elle prend carrière, le contrôle sur. Voilà, et il y a dans une biographie des notes comme ça de production de quelqu'un, d'un homme qui dit comment expliquer que Bette Davis et notamment Ida Lupino, qui ont ensuite réalisé des films, jouent toujours dans des films réalisés par des cinéastes de seconde zone. C'est parce qu'avec ces mecs-là, elles peuvent tout contrôler. Et c'est vrai que Bette Davis, bon, elle a joué chez des grands cinéastes, mais il y a beaucoup de cinéastes qu'on ne connaît pas trop, Vincent Sherman, Edmund Goulding, qui ont tourné beaucoup de women's pictures et qui ne sont pas très reconnus comme des auteurs. Et du coup, c'est vrai que quand on voit les films, ils sont incroyables. Les films de Bette Davis avec ces deux cinéastes en particulier, ils sont très très forts. Et c'est vrai que cette biographie nous fait comprendre que c'est pas Edmund Goulding ou Vincent Sherman, que par ailleurs j'aime beaucoup, qui sont forts. C'est que Bette Davis pouvait faire ce qu'elle voulait sur ses tournages et manipuler tout le monde et dire en fait là je vais descendre de l'escalier et ça va durer 10 secondes. Et elle choisisse absolument tout. Elle est co-réalisatrice. Il dit à la fin, Bette Davis, sur le tournage de, je crois, L'Impossible Amour, il dit à la fin, oui, bon, Bette Davis réalise le film, voilà, c'est une affaire. Voilà, c'est l'évidence même. Et en fait, moi, c'était l'intuition que j'avais. Et ce qui était super pour le livre, c'était de me rendre compte que, en fait, il y a une telle cohérence dans la filmographie de Bette Davis que cette cohérence, évidemment, elle peut venir des cinéastes, mais il faut forcément que l'actrice y soit pour quelque chose. Et en lisant cette biographie, j'avais l'explication. C'est qu'en fait, oui, à Hollywood, c'était très dur, voire juste impossible d'être réalisatrice quand on est femme, d'être réalisatrice donc, mais par contre on pouvait atteindre un certain degré de contrôle et de pouvoir qui fait qu'en fait on était réalisatrice, scénariste, on pouvait choisir la lumière, on pouvait choisir son partenaire de jeu, et voilà. Et ensuite quand elle a vieilli, bon, c'est, il y a quelque chose qui se met de carnavalesque qui se met en place. Et pour le résumer rapidement, ce que je trouve sublime chez Bette Davis, c'est que c'est quelqu'un qui se dit, l'acteur doit aussi sa vieillesse au cinéma, et donc elle a continué à tourner dans des films de Disney, dans des téléfilms, dans des séries, des soap opéras, comme si finalement, elle ne joue. Je trouve qu'elle ne joue plus pour une industrie, mais que elle est là face à une technique qui est le cinéma et à qui elle doit ses images. Et cette vieillesse n'est pas juste la vieillesse, c'est aussi le fait d'être déclassée quelque part grandes images hollywoodiennes, et donc elle montre aussi ce déclassement-là, de passage d'un cinéma hollywoodien sublime étincelant à une production Disney un peu bizarre, quoi. Mais alors, ce que je trouve intéressant, il y a pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles du livre de Luc Moulet, Politique des acteurs, qui avait fait une sorte de qui avait pris quelques comédiens comme ça, qui avait essayé de trouver, qui s'était échiné à trouver une cohérence dans le choix des films de ces comédiens, et en montrant que tout ça n'était pas peut-être pas un hasard et disait quelque chose du rapport au réalisateur, mais aussi du rapport à ce comédien, à ce qu'il était profondément. Et donc tu vas faire la même chose avec ces comédiennes. C'est un postulat qui tient, ou on peut dire tiens, ça tient pas, mais de dire je vais décrypter une sorte d'impensée de ce qu'est cette comédienne à travers sa filmographie. Donc tu le fais de manière assez rigoureuse. Donc c'est ce qui est très plaisant dans
dans ton ouvrage, c'est qu'on c'est vraiment un ouvrage sur le cinéma. C'est, je trouve que c'est presque plus un ouvrage sur le cinéma, même si ça parle de qu'est-ce qu'est la femme, voilà, à l'aube de la cinquantaine ou comment la femme est filmée. Mais c'est un film qui parle des films. C'est un livre qui parle des films. Le lapsus. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis ici. Là, mon introspection avait pris l'habitude d'en passer par les films et mon rapport à la vieillesse se limitait à une frêle anecdote. À 25 ans, un après-midi d'été, j'avais devant le miroir accueilli mes premiers cheveux blancs, une mèche entière. Ce n'était presque rien, mais déjà une nouvelle étape dans cette existence féminine qui est toujours l'histoire d'une grande solitude devant le miroir. Je trouvais que c'était intéressant aussi de voir surgir comme ça chez toi personnellement. Alors bon, tu, voilà, c'était encore assez jeune, mais cette question-là qui devient prégnante, presque obsédante, et qui va être une sorte de motif d'articulation d'une carrière d'une comédienne qui ne peut pas ne pas se poser cette question-là. Comment se fait ce choix-là des comédiennes que tu as pris? Parce que c'est... moi, j'en vois 8, mais c'est vrai que j'aurais presque aimé en... Voilà, il y a toutes les oubliées ou ouais. Toutes celles que peut-être... Oui, oui, je crois que mon éditrice n'est pas là, donc je peux te dire que... donc, du coup, je dis, ah, il y aura un volume 2 parce qu'elle n'est pas là, alors qu'elle n'en veut pas. Non, parce qu'on a envie. J'ai fait toute une liste. Ouais, non, mais c'est ça. À chaque fois, je dis, j'essaye de lui suggérer Amélie, volume 2, et elle ne répond pas. Mais je pense... Enfin, on verra si, voilà, si ça se vend. Mais en fait, on était très... à l'aise avec le casting au bout d'un moment parce qu'on se disait qu'il existe ou qu'il n'existe pas, celles qui manquent seront dans un autre volume. Enfin, il y avait un côté comme ça, okay. Vu qu'il y avait ce côté c'est 8, c'est pas assez, 8, enfin, pourquoi ces choix, et que c'est vrai que les gens qui lisent le livre disent il n'y a pas telle meuf, telle meuf, telle meuf. Et c'est vrai qu'on s'est tranquillisé avec cette question-là d'une suite. Et donc pour le casting, on pouvait, enfin en tout cas je pouvais aller dans des endroits, faire un mélange d'évidence qui était Thelma Ritter, qui était Bette Davis, qui était Mae West. Et faire avaler Isabelle Huppert sur laquelle voilà c'est ça Isabelle Huppert mais qui n'était pas une évidence, mais on s'est dit j'avais déjà écrit voilà c'est ça mais c'est, j'avais déjà fait un livre dessus, mais c'est vrai qu'il manquait peut-être d'insister un peu plus sur sa manière de vieillir. Et après il fallait quand même disons que c'était le premier livre cinéma de mon éditrice, donc de premier parallèle. Et moi, c'était mon premier livre hors maison d'édition cinéphile. Et donc, le livre est à la fois un livre très cinéphile, mais il fallait aussi chercher un autre lectorat. Et ça passait pas du tout par quelque chose qui serait de l'ordre de... voilà, baisser le niveau ou être un peu moins cinéphile. Vulgariser passait en fait par mettre des actrices connues. D'accord. Et donc c'était Thelma Ritter, c'est non, pas, voilà, mais voilà. En fait on fait avaler la pilule Thelma Ritter en mettant Nicole Kidman juste avant. D'accord. Voilà, stratégie. Je me suis demandé sur l'enchaînement sur l'ordre choisi. Ouais, c'est marrant, je pensais qu'on allait vraiment passer 3 semaines à faire l'ordre, et on a fait ça vraiment... Enfin, une fois que les chapitres sont écrits, ça devient du montage cinéma, et on se dit bah, c'est l'évidence même de mettre Thelma Ritter après Nicole Kidman. On crée des effets de contraste, et ça s'est fait en 20 secondes. Et donc, par Meryl Streep, moi, j'avais pas une passion pour Meryl Streep, mais on s'est dit, c'est important, il faut aller chercher... il faut couvrir à peu près toutes les décennies. Après, c'est quand même très hollywoodien. Oui, mais ce que tu relèves dans la film de Meryl Streep, je trouve est très intéressant pour le coup. Oui, bah moi, en fait, je me suis éclatée à travailler sur elle. Cette femme sans rivale, tout ça, je trouve que c'est un portrait, au contraire, qui fait réfléchir aussi sur le... Excuse-moi, c'est aussi partir de l'idée que j'ai pas besoin d'avoir une passion pour l'actrice pour m'amuser en termes d'écriture. Et par Meryl Streep, vraiment, c'était un des chapitres les plus amusants à faire, en se disant vraiment, ce sera le chapitre un peu négatif. Après, c'est assez soft, mais de dire justement, la grande reine du cinéma américain, c'est pas intéressant de l'approcher avec des yeux admiratifs et d'en faire quelque chose. Et c'était très drôle. Et ensuite, Bardot, parfois j'avais déjà des idées sur des actrices et donc Bardot, j'avais une idée en tête en fait, c'était un truc très précis, c'est que je voulais parler du fait que d'un truc qui me semblait manquer, comme quoi la vieillesse des acteurs, mais aussi des chanteurs, en fait, se passe plus à la télévision.
qu'au cinéma. Et donc faire un continuum comme ça entre qu'est-ce que c'est que de passer du régime cinématographique au régime télévisuel et comment il y a, ne serait-ce qu'au sein de l'image, une forme de déclassement. Et ça, c'est aussi très lié à l'enfance parce que, voilà, moi, c'était le Bardot chez Marc-Olivier Fogiel à la télé, enfin, toutes les stars chez Ardisson, les vieilles stars qui étaient invitées plus nulle part, mais qui, voilà, qui sortaient de leur, de leur retraite pour aller faire... et c'était... Et je me suis dit, il faut faire quelque chose de ça parce que c'est vraiment parce que c'est très vrai quoi. Enfin, il y a un truc de vraiment Mireille Dumas, tous ces trucs là et je trouvais que Bardot c'était parfait parce que c'était vraiment un moment où, ça, où le cinéma s'arrête, la télévision prend, prend vraiment le relais à partir des bébés phoques et on pouvait vraiment reconstruire une filmographie avec, avec des archives INA. Les femmes vieillissent moins bien au cinéma que les hommes. Ben, Tom Cruise et Top Gun. Ben, qu'est-ce que... Et en même temps, on le voit vieillir à l'écran. En même temps, c'est toujours, il réussit toujours tout mieux que les autres. Je trouve ce film très intéressant. Ouais, ouais. Moi, j'adore Top Gun. Je trouve que c'est... Dis-nous peut-être quelques mots de, voilà, des hommes qui vieillissent à l'écran. Ou de Top Gun. De Tom Cruise qui vieillit à l'écran, qui ne vieillit pas ou qui vieillit très, très lentement non, à l'écran. Non, mais c'est, ça venait aussi, je pense qu'à la, à l'origine... Enfin, il y a plusieurs origines d'Olive, mais une des origines, ça a été, je trouve, le choc à Irishman, où je voyais vraiment Martin Scorsese vraiment... programmer la mise à mort symbolique de ces corps qui sont ceux de Robert De Niro et d'Al Pacino et je sais que la dernière demi-heure où vraiment juste il y a le voilà le corps d'Al Pacino incinéré enfin il y a des trucs très très violents parce que tu parles beaucoup aussi c'est dans Isabelle Huppert de cette technique moi je connaissais pas le nom du beauty work c'est-à-dire de la retouche numérique la retouche voilà c'est ça parle-nous peut-être de ça et puis dans The Irishman moi ça m'a foncièrement dérangé dans ce film-là particulièrement j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose de alors il y a le beauty work qui est en fait ça, c'est très intéressant le beauty work c'est la retouche numérique mais qui est pas censé se dire ni se voir c'est enlever des rides c'est enlever des cernes c'est enlever un bourrelet ça va jusqu'à greffer la tête d'un grand acteur hollywoodien sur un corps plus jeune chose qu'on fait aussi dans le cinéma français moi j'ai un exemple mais je le dirai pas mais voilà tu en as déjà trop dit non mais il y a quelqu'un qui filme donc voilà et désolé et tu nous le diras en off. Oui non, voilà je chuchoterai tout à l'heure et du coup donc beauty work c'est la retouche cosmétique esthétique qui est absolument généralisé à tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a comme ça l'image et ce qui a été filmé n'a pas existé. Il y a comme ça une sorte de voilà l'enregistrement. Enfin, il y a ce truc cette foi qu'on a en l'image comme quelque chose qui a été devant ce que dit Barthes de la photo, qui a été devant la caméra. Bon, ça c'est fini depuis longtemps avec le numérique, mais encore plus quand on croit regarder une cerne, une ride, un grain de peau, des cheveux. Enfin, on peut absolument tout faire. Et il y a la technique, en tout cas dans le cas de The Irishman ou de Benjamin Button, du de-aging. Alors oui, de rajeunir, oui, et la différence, évidemment, oui. C'est que le de-aging, là, on en fait des vidéos, on explique comment ça marche et on montre comment on a, dans The Irishman, rajeuni, puis vieilli, surtout rajeuni Robert De Niro. Et avec cette utilisation très bizarre du de-aging dans le Scorsese, qui est un peu raté. Mais oui, complètement. Mais moi, que je trouve absolument gênant, fascinant. Je pense que le livre commence là, quoi, avec Robert De Niro, avec une tête de, voilà, tout de Francis Bacon, quoi. Exactement. Mais moi, j'ai arrêté là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ce massacre, quoi. C'est pas normal que dans un grand film hollywoodien à 100 millions de dollars, la technique soit ratée. C'était que, je sais pas, il y avait un truc qui se passait. Et donc, la différence, surtout, c'est que ce que je trouve assez fascinant, c'est que les films, on va rajeunir l'acteur, comme dans Benjamin Button ou à Brad Pitt, voilà, passe de vieillard à nourrisson. C'est toujours. C'est-à-dire que la retouche numérique fait partie du récit, fait partie du spectacle, et on fait des vidéos sur comment David Fincher et son équipe ont rajeuni Brad Pitt ou Al Pacino. Et ça n'arrive jamais sur les femmes. C'est-à-dire que quand on joue comme ça avec le temps, de manière
de manière consciente et spectaculaire, c'est toujours sur les hommes. Et pour les femmes, la retouche va être toujours honteuse, et c'était, enfin voilà, dans les coins, cachée surtout. Il y a des contrats, voilà, de confidentialité. C'est, moi, je sais que mon éditrice, je balançais des trucs dans mon livre, m'a dit, je veux pas de procès. Je veux pas que ma maison d'édition coule si demain. Mais j'avais des sources de, voilà, de gens qui me disaient, il y a ça et ça. Moi, je voulais pas du tout dire juste telle actrice dénoncée, ça aurait été totalement inélégant, mais de dire, de sortir des preuves suffisamment spectaculaires, et il fallait les cacher parce que oui, c'est à la fois inélégant et en même temps oui, c'est le tabou pour moi est un peu passé de la chirurgie esthétique à la retouche numérique. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que du côté des hommes, ça fait récit, ça fait spectacle, ça fait grand spectacle. Et du côté des femmes, c'est de la retouche dans des petits coins, et il faut surtout pas le dire. Et voilà. Et tu sens pas que dans l'inconscient collectif, tout ça a tendance un peu à bouger lentement, ou c'est toujours sur cette crispation-là qu'il y a, sur cette honte-là qu'il y a de retoucher les corps féminins, de montrer les artifices du corps féminin vieillissant. Alors, je pense qu'il y a deux choses. En fait, il y a quelque chose que j'essaye d'analyser, mais j'ai l'impression parfois qu'il me manque un peu ou le langage technique, ou aller vraiment voir sur le terrain comment, qu'est-ce que c'est que de retoucher une image et d'aller interviewer des gens. Mais moi, je suis critique, donc je me dis toujours, il y a tout dans l'image. Mais c'est vrai que je pense que le numérique, voilà, sans faire de dissertation sur le numérique, a rendu les regards beaucoup plus exigeants, beaucoup plus addict aux surfaces lisses, beaucoup plus intolérant face aux défauts, et que ça nous est insupportable. Il y a un truc avec le numérique qui fait que on rentre un peu dans une ère hygiéniste de l'image. Et j'en veux pour preuve la grammaire Netflix et l'image Netflix qui est très très mordorée comme ça. On voit plus les grains de peau, on voit plus rien. Donc pour moi, le passage de l'argentique au numérique déjà crée une exigence de lisse, d'image immaculée, et qui fait que en fait les corps doivent se mettre au pas, et que je pense que dans les retouches numériques qu'on fait, ça va passer par des trucs qu'on pourrait tout à fait supporter, mais donc l'image se met au pas, et donc on retire absolument tout. Et donc c'est ce que je fais avec Huppert, où je dis que on voyait ces taches de rousseur, on ne les voit plus, mais le corps n'a plus de réalité. Donc il y a ça, et en face je pense qu'il y a des mouvements contradictoires d'actrices qui montent leurs cheveux gris, qui se montent sans maquillage, voilà, et qu'en même temps tout ça passe par le filtre d'Instagram, et donc qui est un peu le règne de l'image aseptisée. Donc je pense que voilà, l'image est nourrie de contradictions. On sent que c'est un terrain politique, ton chapitre sur Frances McDormand, et je trouve assez passionnant sur son parcours, parce que tu parlais, évidemment, il y a des actrices principales et des actrices secondaires, des sortes de femmes normales, entre guillemets, et elle qui met un point d'honneur à incarner cette femme normale, à répondre aux interviews sans maquillage, qui était déjà très avare d'interviews, qui n'intervenait jamais d'ailleurs, et qui là, donc, en fait presque un acte politique. Je trouve ça assez... Je pense qu'il faut... Oui, c'est-à-dire que McDormand, c'est typique d'une... C'était pareil, c'était pas une évidence, mais c'est un ami qui m'avait soufflé cette idée. Et c'est vrai qu'en plongeant dedans, il y avait 10 000 choses à dire. Et c'était aussi fascinant de voir que maintenant, il faut se battre pour ne pas être touché numériquement, pour pas jouer dans des... pub Chanel, et enfin qu'il faut se battre pour pas être prise en photo. Il y a une très grande et très belle interview dans le New York Times où la journaliste raconte que McDormand se laisse pas prendre en photo parce que elle dit prenez-moi en photo quand je suis en mouvement, quand je suis au travail, prenez des images de moi dans les films. Mais cette idée d'être figée comme ça, ou de poser, ou d'être habillée par tel créateur pour poser pour une photo, ça c'est interdit. Et donc elle passe par une sorte de sacerdoce
sacerdoce comme ça de je ne me maquille pas, je ne pose pas, je ne vends pas mon image, enfin mon image ne fera pas vendre des parfums ou des montres. Et quand je reçois un prix, j'en fais quelque chose, une sorte de récompense collective aussi. C'est ça, le refus de ce... Ben, en fait, c'est un truc qui est très particulier, c'est-à-dire que normalement, les stars, c'est... Voilà, c'est l'Olympe, et elle, c'est quelqu'un qui, très franchement, raconte que qui déteste Star System et qui veut rebrancher les acteurs, le corps de l'acteur et le corps de l'actrice, au commun des mortels. Et je pense pas qu'elle le dit très clairement. Voilà, avec elle parle de l'espèce humaine, et c'est très beau. Et forcément, du coup, se laisser vieillir et accepter de vieillir. Fait partie d'une, pour moi, d'une manière de rejoindre quand même l'humanité ordinaire, de voilà, d'arrêter de se battre pour son image et de rejoindre un peu voilà le mouvement vital et c'est pour, donc elle le fait et oui, c'est très beau. Et tu parles, c'est intéressant, je trouve ce que tu dis sur le visage aussi, l'importance du visage au cinéma. Et pour elle, le fait de ne pas cacher, le fait de pas masquer ses rides et de dire que bah, mon visage, c'est comme une sorte de parchemin, je ne sais pas si le parallèle est bon, mais qui raconte mon histoire, qui me raconte aussi, et qui a toute cette beauté-là, et qui n'est pas quelque chose qui doit être... je trouve ça assez... même dans les représentations de ce diktat-là, de la jeunesse à tout prix, du visage. Et puis aussi ce que tu dis sur le visage et le corps. C'est-à-dire le visage au cinéma et le corps, c'est pas la même chose. Huppert, dans Abus de faiblesse, va accepter d'avoir son corps montré de manière handicapée, un corps de vieille personne, mais par contre, son visage... C'est ça, c'est la distinction vient de Susan Sontag, qui est me suis pas embarrassée de, je cite très peu de références hors cinéma, mais il y a ce texte que je crois qu'il n'a pas été traduit, mais qu'on trouve en ligne sur le double standard du vieillissement, qui est en anglais, qui n'est pas traduit, et qui est un texte de 12 pages qui, moi, m'a servi comme boîte à outils, et il y a à peu près tout dedans, et je c'est le seul texte vraiment que j'ai utilisé. Et où elle dit que la différence, c'est que les hommes sont at home dans leur corps, alors que les femmes non. Et elle dit, enfin, il y a plein de comme ça de distinctions qu'elle fait. Elle dit une femme, la cicatrice chez un homme, ça va être un marqueur de, ça va raconter son histoire. Il aura une anecdote à raconter dessus. Voilà, une brûlure, alors que chez une femme, juste elle va passer. On l'enjoint à passer sa vie à essayer de retirer telle cicatrice. Enfin, moi, je sais que je me dis ça, c'est très vrai. Le bouton, la cicatrice, la brûlure. On doit rester immaculé. Donc, on travaille à être immaculé. Et elle dit que les femmes sont réduites à leur visage et n'habitent pas vraiment leur corps. Et c'est vrai que c'est. Et en fait, en lisant ça, je me dis c'est vrai que moi, depuis le début du livre, je m'intéressais au visage. Et j'ai un ami qui m'a dit mais tu parles pas assez du corps, qu'est-ce que c'est la vieillesse sur le voilà, comment ça attaque le corps, comment ça ralentit le corps, et donc moi-même je faisais cette distinction là, c'est-à-dire que je prenais les femmes pour leur visage et je prenais pas le corps entier. Mais le visage est quand même très spécifique au cinéma. Oui, c'est ça, c'est le cinéma, c'est pas rien quoi. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose, mais du coup je parce que voilà, c'est les films aussi n'exploitent pas vraiment les corps des actrices, à part je parle de ça sur Huppert ou dans Abus de faiblesse de Breya, il y a vraiment qui est l'histoire de Catherine Breya qui a eu un AVC, donc qui est à moitié paralysée, et Huppert joue Breya se réveillant de son AVC, et il y a des scènes de rééducation, et là on voit vraiment ce que c'est qu'un, on voit tout quoi, on voit le corps, elle tombe, elle se relève, elle essaye d'ouvrir un paquet de jambon, en fait, on filme le corps quand il n'y a plus l'évidence du corps, quoi. Quand tous les gestes sont à refaire et à réapprendre, mais il n'y a pas beaucoup d'occurrences. Enfin, après, on pourrait prendre des films d'action où il y a des femmes et tout ça, mais c'est vrai que le corps était un peu... moi-même, je ne m'y suis pas assez peut-être intéressée. Mais tu en parles dans... je reviens à Frances McDormand dans Fargo, où elle joue le rôle d'une femme enceinte qui se traîne comme ça et qui bouffe comme 15... Qui a des nausées, c'est un corps, c'est le corps d'une femme enceinte, mais c'est un corps vivant. Et dans sa dernière série, alors je ne me rappelle pas, où. Olive Kitteridge. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, où son corps est présent également, quoi. Parce que elle impulse
Elle est productrice de cette série et Frances McDormand, c'est quelqu'un qui associe comme Bette Davis, c'est-à-dire que je fais une pour les actrices, c'est quand même il y a de quoi trouver que c'est une chance de pas être très belle parce que vous appartenez un peu plus, vous appartenez davantage. Et si McDormand aussi, je pense, peut refuser les pubs Chanel et tout ça, c'est qu'à mon avis, on lui demande pas non plus du 10 000 partenariats et voilà, d'être la mascotte de plein de marques. Mais c'est vrai qu'elle a... ça me permettait de parler d'un truc très précis qui est qu'en fait, Frances McDormand, alors souvent on parle de la rivalité entre actrices, et je pense que Frances McDormand, son, le grand malentendu de sa filmographie, de sa carrière, ça a été de qu'elle était en compétition avec des hommes, qu'elle aurait voulu les rôles des hommes, et que et ça, et du coup elle était toujours la personnage secondaire, et ça m'a frappé, c'est que, et elle veut jouer comme un homme, elle veut vieillir comme un homme, c'est-à-dire voilà, vieillir comme This is a roadmap. Mais dans Three Billboards, c'est vraiment ça. Voilà, on peut totalement imaginer un comédien jouant. Elle me suis inspirée de John Wayne. Et donc sa carrière, du coup, en fait, c'est ça, c'est que elle est libérée quand elle commence à la cinquantaine, parce qu'on considère que à partir de la cinquantaine, votre pouvoir érotique s'est envolé. À Hollywood, c'est comme ça, et que du coup, on lui demandait plus. Des rôles absurdes de jolies filles dans les coins comme dans Darkman, même si j'aime bien Darkman, on lui donnait comme ça des second rôles qui collaient pas du tout avec son, on essayait de la glamouriser alors que non, et du coup à partir de la cinquantaine on a arrêté toute tentative de glamourisation, de toute façon ça marchait pas. Et donc, elle a pu enfin prendre le contrôle et devenir productrice et créer. Et par exemple, Three Billboards, c'est vraiment un film qui est écrit pour elle, comme Nomadland. Et elle a pu raconter exactement ce qu'elle voulait et vivre comme un homme. Enfin, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'elle le dit. Et tu dis très justement aussi qu'une femme belle, une comédienne belle, ne s'appartient plus. Ce que Marilyn... Oui, c'est ça. C'est que dans les trucs que moi-même j'ai découvert sur mon sujet, il y avait ce... il fallait dire à un moment, je ne sais pas si je le dis assez, pas faire semblant de prendre une actrice pas belle pour une actrice sublime. Il fallait quand même aussi dire ce qu'il en était et qu'en fait, ça crée des destins très différents et qu'en fait, il y avait beaucoup de liberté et beaucoup plus de scénarios possibles pour une actrice un peu moins belle que pour Marilyn Monroe. Et précisément, le problème de Marilyn Monroe, c'est que sa beauté n'autorisait presque qu'un circuit narratif et qu'il y avait vraiment beaucoup plus de possibilités d'émancipation et de récit et de liberté chez des actrices considérées comme pas belles. Et ça, c'était réjouissant, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle dit devant ce miroir, là, où quelqu'un lui pose une question, non mais qui est... Truman Capote avec Marilyn. Oui, c'est ça. Ça devait être d'ailleurs le titre premier, mais ça marchait pas trop. C'est Truman Capote, donc il voit Marilyn est enfermée depuis un moment dans une salle de bain. Il commence à s'inquiéter et il rentre et il regarde et il demande à Marilyn qui est en train de se scruter dans le miroir ce qu'elle fait. Enfin, qu'est-ce que tu fais, Marilyn? Et elle dit je la regarde. C'était ça l'anecdote, qui est très, c'est très beau. Et c'est vrai que c'était d'autant plus à l'origine du livre qu'il y avait cette idée que de travailler l'idée que les actrices travaillent aussi à leur image, travaillent à leur reflet, qu'elles sont aussi, elles sont pas juste les sujets, les objets, les muses, les corps regardés et passifs, mais qu'elles... Elles sont aussi stratèges, quoi. Elles peignent, au bout d'un moment, atteint un certain degré de notoriété, elles contribuent aussi, elles passent de sujet du tableau à peintre, quoi. Enfin, il y a comme ça une sorte d'oscillation perpétuelle entre les deux qui se vérifie, quoi. Mais elles contribuent aussi à construire cette image d'elles-mêmes. Préparez vos questions. J'en ai une dernière. Ben j'en ai d'autres, mais juste une dernière. Donc, la seconde femme. Quelle est la seconde femme? Qu'est-ce que c'est la seconde femme? Raconte-nous un peu cette histoire-là, Cassavette. Gina Rowlands. C'est ça. C'est que c'était venu sur le livre précédent. J'avais beaucoup regardé Opening Night de John Cassavetes et il y avait qui a un très grand film sur la vieillesse et donc qui est l'histoire d'une Actrice d'une comédienne qui doit jouer
sur scène un rôle de femme âgée ou qui a son âge, mais en tout cas Gina Rowlands passe, Myrtle Gordon passe le tout le temps du film à refuser, à reculer ce moment de jouer cette comédienne. Elle résiste de toutes ses forces. Elle est hantée aussi par le fantôme d'une groupie qui, au début du film, meurt dans un accident en courant après la voiture de Myrtle Gordon. Et ce qui est très beau, c'est, et que montre le film, c'est que pour une comédienne, pour une actrice, jouer une femme de 40 ans ou de 50 ans, c'est devenir cette femme de 50 ans, de 40 ans. C'est pour ça que ça crée des sortes d'aberrations où des actrices de 60 ans jouent des femmes de 45 ans ou des femmes de 55 ans ou 60 ans ou encore leurs règles dans un film. Enfin, ça crée plein d'aberrations dans les films que tout le monde a déjà bien repéré parce que jouer tel âge, c'est avoir cet âge-là. Oui, c'est définitif. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que montre le film, c'est comment elle repousse toujours le moment de jouer cette femme-là. La seconde femme. Voilà, c'est ça. Et du coup, la groupie qui lui ressemble un peu représente la première. Et donc, il y a un moment où elle est une voyante et elle dit... c'est la citation qui ouvre le livre. Donc, à partir d'un moment, la jeunesse s'efface et la seconde femme entre en scène. Et donc, c'est assez simple. C'est le deuxième âge. Enfin, c'est la vieillesse des actrices et c'est la vieillesse des femmes. Après, la question, c'est est-ce que il n'y a pas de moment exact dans la vie où d'un seul coup on sort de chez soi, il y a la seconde femme. Mais en tout cas, au cinéma, il y a ça parce qu'il y a un film. Pour Gina Rowlands, c'est Opening Night. Pour Bette Davis, c'est All About Eve. Il y a un film qui thématise littéralement. Et en fait, à la base de cette idée, il y a quand même quelque chose de totalement cinématographique parce que c'est je sais plus qui me faisait remarquer que quand Gloria Swanson descend les escaliers à la fin de Sunset Boulevard, il y a vraiment ce côté d'entrée, de parade de la seconde femme qui entre comme ça. Et donc on pourrait faire un montage de parade de seconde femme qui entre en scène. J'ai juste un court souvenir d'un rôle du père qui me revient dans un film de Claire Denis qui s'appelait White Material. C'est tourné en Afrique, c'est tourné au Cameroun, et où on la voit en petite robe d'écolière courir. Donc elle a une sorte de vise, de corde de jeune fille qu'elle a, un physique assez frêle, et en même temps des mains, parce que les mains, pour le coup, les mains et le cou, il y a des parties du corps qui sont le signal de la vieillesse qu'on ne peut pas. On ne peut pas lifter, ou je ne sais pas comment on fait, mais bon, pas encore. Quoi. Et c'était très bizarre. En plus, son compagnon était Christophe Lambert. Christophe Lambert aussi, qui a un corps un peu... pas sans, avec un âge bizarre, quoi. C'est vrai. Donc, ça fait des télescopages comme ça. Et je la vois courir avec un physique de jeune fille, mais presque prépubère, quoi, avec des mains de gants. Et puis, Huppert, c'est tout ça, mais c'était très étrange. C'était oui, non, très du coup, étrange. Ça crée. Alors, dans un premier temps, on dit, là, quand même, c'est un peu ce déni de l'âge. Et puis, il y a un moment où ça devient, comme tu le décris, quelque chose de très drôle à l'écriture. En fait, ces décalages, c'est ce collage de corps un peu bizarre. Il y a un truc très, très excitant pour l'écriture. Mais je signale que ton livre est très, très bien écrit. Non, c'est un plaisir. Non, c'est un plaisir au niveau du style de te lire. Allez, à vous. Vous n'avez pas parlé de Top Gun et de Tom Cruise. Ah oui, alors voilà. Moi, je voudrais savoir. Non, Top Gun, j'aime. Non, mais Top Gun, c'est vrai que ce qui est assez. Ce que je trouve très beau dans Top Gun, c'est de créer ce spectacle hollywoodien qui coûte des millions, juste pour raconter une chose qui est que le déni d'un acteur qui ne veut pas vieillir et comment le film joue. Ce que je trouve très drôle, c'est comment le film joue toujours avec l'idée qu'il va, voilà, il y en a d'autres qui vont prendre la relève, il va, les jeunes, place aux jeunes et tout ça, et comment à chaque fois ce moment est retardé jusqu'à ne plus exister. Et ça, je trouve ça très beau. Et après, Tom Cruise a vraiment dans le film un côté vieux jouet, enfin, il y a vraiment un côté Toy Story que je trouve très drôle. Oui, mais plus assumé que dans ses films précédents, c'est-à-dire. Il y a un côté un peu déplumé. Mais oui. Je trouve très émouvant et mais encore une fois assumé, c'est-à-dire même dans les cockpits, visages qui se déforment, la peau qui Et pour moi je vois voir le film comme deux heures qui ont coûté des millions sur
c'est le point, c'est le spectacle de la vieillesse de Tom Cruise. Et donc derrière cette grosse machine, il y a un film très ténu. Moi, ça m'émeut toujours autant. Et c'est vrai que pour les femmes, pour les actrices, il n'y a pas de film comme ça où on va créer du grand spectacle pour raconter une chose aussi frêle. Et même si souvent pour les hommes, c'est le déni. Je pense à Cry Macho de Clint Eastwood, qui est un cas encore plus bouleversant et angoissant. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté vieux jouet que je trouve très, très mignon. Mais non, moi, ce que je trouve aussi vieux jouet, et en même temps, il y a quelque chose qui est acté du temps qui passe. Contrairement à ces autres films où il doit toujours vouloir courir, il doit toujours devoir montrer à Hollywood qu'il sait courir vite et qu'il sait sauter partout. Et voilà. Et là, je trouve que moi, je pense aussi à Jennifer Connelly, qu'on voit aussi, qui est certes peut-être retouchée, mais qui est très belle, mais qui a vieilli aussi. Et je trouve que toute leur scène un peu il faudrait retrouver le nom. Non, Kelly McGillis. Oui, voilà, c'est Kelly ça. Kelly McGillis, on lui a pas proposé. Voilà, c'est ça, c'est qu'on. C'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut dire, en fait, oui, c'est que Kelly McGillis, qui était la bombe sexuelle du premier. En fait, ils ont repris tout le casting jusqu'à reprendre Val Kilmer, qui a un cancer de la gorge et qui peut plus parler. Donc ça fait des scènes comme ça de mort assez fascinantes, très funèbres. Et par contre, pour filmer ça chez Val Kilmer, Tom Cruise, c'est bien. Mais par contre, filmer, reprendre Kelly McGillis, non. C'est ça qui était fascinant dans ce film, c'est qu'il filmait la vieillesse de ses acteurs, voire la quasi-mort ou la maladie, et il mettait hors champ cette femme. Après, ça s'explique parce que c'est un film tellement, je ne vais pas dire crypto-gay, juste gay, que bon... Ils se sont jamais intéressés aux femmes dans ces films. Le premier, clairement. Voilà, donc même Jennifer Connelly, ça se voit qu'ils s'en fichent. Donc bon. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est leur excuse. Mais je trouve que la scène où ils se donnent rendez-vous, tout ça, où ils sont, cette scène un peu, elle est un peu étudiante. Je sais pas. Même ça, ces corps-là qui s'aiment, ils ne les filment pas. Moi, je sais pas s'ils les filment. Si, dans le premier, c'était très une sorte d'érotique complètement cheap. Mais là. Et là, en fait, oui, mais là, il passe du temps à discuter, en fait. Il est gay. Oui, non, mais c'est pas seulement. Oui, mais je pense que c'est pas seulement parce qu'il est gay. C'est pas seulement ça. C'est parce que à cet âge-là, peut-être, on passe ce temps-là à sauter par la fenêtre, à discuter. D'assez, pas seulement. C'est au-delà de la question de l'homosexualité de Tom Cruise, il y a aussi ce truc d'asexualité qui est très lié à cette idée qu'il y a aussi chez Kidman de corps post-humain, donc d'un corps qui. Alors, c'est l'extrait qui, de. Du coup, n'a pas de besoin comme les autres Kidman, et qui n'a pas de sexualité. Donc, je pense que Tom Cruise, il y a ça. S'il couche avec une femme, ça va un peu l'humaniser, alors que c'est pas le but, quoi. Question. On prépare un extrait en fait sur Nicole Kidman de The Undoing, mais si vous avez des questions, vous avez lu le livre ou pas du tout? Non. Oui. D'accord. Non, c'est vrai. Hein. Oui, mais moi aussi. Oui, tout à fait. C'est drôle. C'est un livre qui peut se lire pas forcément dans l'ordre. On se dit, ah tiens, j'ai envie de voir ce qu'elle a écrit sur Mae West et tout ça. Oui, c'est ça. Ah vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, on a. Et je l'ai. Oui, vraiment, c'était. Donc, c'était pas un ordre obligé, quoi. Des questions ou. Ouais, alors on va passer à un extrait de The Undoing, mais alors dis-nous peut-être alors quelques mots par chapitre le portrait qui ouvre l'ouvrage, c'est Nicole Kidman, donc la femme parfaite. C'est très intéressant par rapport aussi à la chirurgie, à son vieillissement, à l'intervention de la chirurgie. Alors je parle de l'extrait, enfin de tout. Non, de Kidman en général et de cet extrait-là en particulier. Oui, Nicole Kidman, c'est comme tout le monde le sait, c'est une actrice qui a fait beaucoup de chirurgie esthétique. Une fois que je constatais ça comme tout le monde, il fallait voir comment ce visage-là raccordait avec un truc qui serait dans sa filmographie, comment ce visage-là pouvait encore faire récit, puisque moi, ce qui m'étonnait, c'était de voir cette actrice-là jouer encore, alors que plein d'autres ont... Alors,
été éliminées, disqualifiées, soit parce qu'elles ont été défigurées par la chirurgie esthétique, soit parce qu'elles ont arrêté le cinéma. Mais en tout cas, il y avait cette idée que plein d'actrices ont été, ne jouent plus parce qu'elles ont trop fait de chirurgie esthétique. Je pensais à Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, qui trouvent plus de rôle et tout ça. Et il y avait un mystère concernant Nicole Kidman. Et en regardant à peu près toute sa filmographie, enfin quasiment, je me rendais compte que il y avait quelque chose qui était lié à la perfection, que c'est une des, je pense, rares actrices à dialoguer avec ce concept de perfection matérielle, bourgeoise, amoureuse, physique, et que c'était vraiment quelque chose dans sa filmographie. Et qu'il y avait deux thèmes dans sa filmographie. Enfin, soit souvent les films commencent après la perfection, quand cette image parfaite commence à être fissurée. Et souvent, elle est fissurée soit par la perte du mari ou d'un enfant. D'un enfant, oui. Voilà, il y a toujours un truc avec le mari. Tu t'es amusé avec le jeu de mots, oui, Kidman. Oui, je pense que c'est la grande idée du livre, c'est que il y a ce nom Kidman qui résume toute cette filmographie et qui résume la perfection au féminin, en fait, oui. D'avoir des enfants et un mari. Et avec lié à un autre thème qui était celui de la séquestration, de la prise d'otage, dans plein de films, vraiment plein de films, j'étais étonnée. Calme Blanc, Les Autres, enfin vraiment, il y en a bien une quinzaine qui dialogue avec. Soit elle est prisonnière d'une ville, soit elle est prisonnière de son couple, soit d'une maison. Et du coup, il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'un film gothique qui joue avec les codes du gothique. L'idée était là de dire que le piège se resserrait progressivement sur elle-même et qu'elle était d'abord séquestrée dans une ville, puis dans une maison, puis dans son couple, et finalement dans son corps. Et qu'elle était emmurée. Ah oui, d'accord, c'est pour. D'accord. Comme ça. Oui. Et là, vous allez le voir, enfin, je pense que ça marche très bien. C'est une femme qui est emmurée dans son corps et qui est donc emmurée. Je pense que son visage raconte ça. Emmurée dans l'exigence de perfection, qui n'est pas que la sienne, mais qui est celle des femmes en général. Oui, mais tu vas un peu plus loin que ça encore, par rapport. Pardon? C'est déjà loin. Mais par rapport à la chirurgie esthétique et au canon aussi que propose la chirurgie esthétique et les canons. Ce qu'on peut rapprocher un peu pas du monstrueux, mais un peu quand même. Comment ça correspond à un canon de beauté à Hollywood, le fait d'être fait et d'avoir ces traits-là. C'était aussi de se dire pourquoi il y a toutes ces femmes qui commencent à toutes se ressembler. Parce qu'elles aspirent quand même pas à la laideur, quoi, ou à la monstruosité. Exactement. Elles savent très bien. Elles sont. Il fallait sortir de cette première appréhension de elles sont ratées, elles sont défigurées, et de comprendre que ce soit dans la télé-réalité, dans les JT Hollywood américains, dans le cinéma hollywoodien, en fait, c'était peu à peu construit une norme esthétique et un canon de beauté qui correspondait à ces visages refaits. C'est-à-dire que pour elle, en tout cas pour ce milieu, on va dire en Californie ou à Hollywood en tout cas, c'est devenu. Ça consiste à être belle que d'être refaite comme ça. Et qu'il y a derrière quelque chose qui est de l'ordre de montrer, porter sur son visage la marque de l'effort produit. Exactement, c'est ça. Tout à fait. La marque de l'effort produit. On a dépensé beaucoup, on a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à se faire refaire le visage. Et donc il y a l'effort. Qui est là, qui est à même le corps. C'est quelque chose de très californien. Et puis il y a tout un truc de. Toute une idéologie, je pense, de transhumaine qui est voisine d'Hollywood, qui fait que ces corps-là basculent dans quelque chose qui n'est plus humain. Et c'est aussi un marqueur social et un marqueur de je suis refaite, donc je appartiens à une élite. Et donc c'est plein de choses à la fois. C'est un signe distinctif. Oui, pardon. Sur Nicole Kidman, j'ai l'impression, j'ai pas suivi d'aussi près évidemment sa filmo et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une petite traversée du désert. On l'a pas, enfin c'est peut-être beaucoup dire, mais on l'a pas vue pendant quelques années, j'ai l'impression. Et elle est revenue en grâce entre guillemets avec ce nouveau visage qui au début m'est apparu comme étant hyper raté. Et je sais pas si c'est parce que je me suis habituée ou si c'est parce que ça s'est remis bien en place au bout de quelques mois. Mais là, je trouve que c'est assez bluffant dans The Undoing. On voit qu'elle est refaite, mais c'est pas du tout monstrueux. C'est pas Meg Ryan avec sa bouche de Joker et tout ça. Et donc ma question, et je sais plus ce que c'était du coup, si ma question est la suivante, c'est
Est-ce que vous avez identifié, vous aussi, ce léger retrait? Est-ce que vous savez à quoi il est dû? Et pourquoi elle a réussi? Parce que vous dites que c'est devenu un canon de beauté accepté, ces visages un petit peu transformés. Néanmoins, il y en a peu, quand même, des actrices de son âge, avec ses caractéristiques physiques, qui ont des rôles de cette envergure, qui sont autant revenus sur le devant de la scène. Donc comment vous expliquez sa singularité et ce petit gap qui semble y avoir eu? Bah non, mais le problème, c'est qu'à force de se faire refaire, on croit que derrière, il y a une femme de 100 ans, quoi. Enfin, c'est le problème de... Mais enfin, c'est que qu'on ait 60 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 60 ans, qu'on ait 70, de toute façon, ça se voit plus. Donc, en fait, paradoxalement, ça vieillit les actrices, parce qu'elle a 53, 54. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est très paradoxal, c'est que derrière le masque, on sait pas ce qu'il y a. La pause qu'elle a faite dans sa filmographie... Moi, comme j'ai un peu suivi la filmographie, je trouvais toujours un peu des films à tous les moments, mais je pense qu'il y a eu un passage à vide et que même si elle continue quand même à jouer dans des films, quand on voit, voilà, si on prend le parallèle Tom Cruise et Nicole Kidman, on va pas miser des millions, des centaines de millions d'euros sur Kidman. C'est-à-dire que ça reste quand même... Elle a pris sa filmographie a quand même pris une inflexion très un peu des séries B ou des séries comme ça très roman de gare, je trouve, qui fait que bon, elle continue de jouer, mais c'est quand même pas ça reste une forme de déclin quand même par rapport au début de sa filmographie, je trouve, parce que c'est des petites productions et donc pourquoi elle a des rôles, bah c'est ce que je pense que c'est, enfin, moi je me l'explique comme ça, avec cette idée que son visage fait récit, raconte quelque chose sur la perfection depuis le début, en fait. Et donc, puisqu'il fait récit, celui-là, on le garde, et puis les autres, on les met de côté. Donc, voilà, ça raconte encore quelque chose. En deux mots, recontexte, oulala, actualise-nous l'extrait qu'on va voir de The Undoing. Oui, alors c'est une série de David E. Kelley, qui est un grand showrunner de séries, mais très, c'est des séries d'après-midi, un peu à destination d'un public féminin, très roman de gare, mais il y a un certain charme dans ces séries-là. Et donc, il a fait Big Little Lies. C'est lui qui avait fait Big Little Lies. Voilà, c'est ça. Et The Undoing, il a fait vraiment plein de choses avec Nicole Kidman. Et ça, c'est donc une série où elle joue... c'est un peu une série post-MeToo, où elle est en couple avec Hugh Grant. Je vais pas tout raconter, mais en tout cas, c'est le premier épisode. Et qui pose, comme toujours chez Nicole Kidman, l'image de la perfection. Donc on voit son grand appartement, son fils, son mari. Elle est riche, tout va bien. Elle est dans les quartiers chics de Manhattan. Et il y a quelque chose qui rumine de manière assez, je pense, très consciente, mais que je trouve assez fascinant. Eyes Wide Shut, le début d'Eyes Wide Shut, dans une version un peu télévisuelle. Et c'est très émouvant de la voir. Là, l'extrait va commencer à dans les rues, elle fait son sport et va surgir à un moment une jeune femme dans sa vie et dans son couple. Hugh Grant va être accusé de... je sais qu'il ne faut pas divulguer, mais voilà, c'est l'homme qu'elle aime n'est pas celui qu'elle pense qu'il est. Et donc là, on va voir surgir ce personnage de jeune femme. Et je pense que l'extrait se... Voilà, si on sait que ça rumine un peu Eyes Wide Shut et que cette jeune femme va lui tendre une sorte de miroir, après, il faut se dire quand même qu'à ce niveau-là de sa carrière, Kidman aussi choisit et impulse les scénarios et qu'elle est consentante, quoi. On lance l'extrait ? Thank you.
Je commente. Je me rends pas compte. Donc, non, j'ai pas vu la série, mais ça donne envie. Je sais pas. Non, c'est... Enfin, moi, ça me... Il faut s'imaginer, j'écris sur Kidman, je vois ça, je suis trop contente, à plein d'endroits. Après, je voulais surtout montrer ce visage. Je pense que c'est quand j'ai vu cette série, je me suis dit, non, mais il faut aller plus loin dans la théorisation de ce qui se passe là, avec ce visage-là. Ça suffit pas... Faut sortir de la stupéfaction. Non, mais ce visage devant ce corps, la scène est super provocante, agressive, érotique. Mais tout est un peu condensé là. Oui, c'est ça. Et en même temps, il y a ce dialogue permanent, je trouve, avec Ash Watchott qui aussi ruminait l'image du corps de la femme nue, hein, qui s'ouvrait sur vraiment. Qui scannait le corps de Kidman nu devant son miroir, avec ce New York, les quartiers chics. Et Tom Cruise qui ne la regarde même pas et qui lui dit tu es parfaite. Voilà, c'est ça. Et voilà, qui ruminait quelque chose qui pourrait faire penser à une photographie d'Helmut Newton, qui était une grande référence pour Stanley Kubrick. Et donc là, je vois le dialogue avec ça de tu n'es plus cette femme-là, ce que je disais, une sorte de monde post-perfection. Et puis, je voulais pousser jusqu'à la cérémonie pour bien montrer
voilà, le parallèle avec Eyes Wide Shut pour moi, mais qui serait tombé dans la télévision, quoi. Et puis montrer ce visage et puis cette remise en forme. Et c'est assez émouvant de l'avoir marché comme ça dans New York. Je trouve, enfin, il y a quelque chose dans la série qui insiste beaucoup sur ça, et de voir qu'elle est toujours aussi, voilà, grande, svelte, avec ce masque sur le, il y a un truc un peu, voilà, dans le déni, il y a encore toujours de la vieillesse, quoi, en fait. Question, une dernière question, on passe à la dédicace. Ça vous a laissé sans voix. Non, mais on passe peut-être à la dédicace ou Et d'autres extraits, mais ça va être un peu long après. Oui, parce qu'on avait prévu deux autres extraits sur Baby's Gen, mais voilà, celui-là, c'est très bien. Un grand merci à toi, Muriel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.